Il y a un mois, elles vivaient le pire moment de leur vie. Le 16 juillet dernier, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont en effet perdu leur maman, Jane Birkin, décédée brutalement à 76 ans. Pour marquer cette première étape, ce mois sans elle, les deux sœurs ont chacune décidé de lui rendre un bel hommage sur Instagram. Et on sent la tristesse encore très présente. C'était notre maman. Un mois tout juste après le décès de Jane Birkin à 76 ans le 16 juillet dernier, les mots de sa fille Charlotte Gainsbourg résonnent encore tristement, tout particulièrement pour elle et sa sœur Lou Doyon, désormais orpheline de la chanteuse britannique depuis 4 semaines. Une étape difficile pour elles, mais qu'elles ont chacune choisi de célébrer ce mercredi 16 août sur leur compte Instagram. Postant une photo très vintage de sa mère, enceinte et probablement à côté de leur sœur aînée Kate Barry, elle aussi décédée en 2013, la cadette Lou Doyon, qui avait fait un discours déchirant lors de la cérémonie des obsèques, a semblé d'humeur nostalgique. En vacances au soleil, la quadragénaire a également posté une photo qui représente la table de son déjeuner. Avec un livre de Roland Barthes au titre équivoque, journal de deuil, à côté de sa main. Un deuil difficile, qu'elle soigne donc par la littérature, quand sa sœur Charlotte se réfugie dans la lumière. La mère de Ben, Alice et Joe Attal, 26, 22 et 12 ans, a en effet posté quant à elle des images de rayons de soleil passant entre les arbres et qui doivent lui faire penser à sa célèbre maman. D'ailleurs, ensuite, si et si une photo bien plus récente qu'elle a choisie, puisque l'on peut voir sa mère dans les dernières années de sa vie, sourire sur un cliché en noir et blanc. Une famille très soudée heureusement pour elle, les deux sœurs qui ont fui Paris pour se ressourcer à la chaleur de l'été, peuvent compter sur leur famille pour le deuil. Lou Doyon, qui vit avec Stéphane Manel, avait notamment été soutenue le jour des obsèques par son compagnon et par son fils aîné, Marlowe, 21 ans, né d'une première union. Et son deuxième fils, le petit Laszlo, 1 an, doit lui rendre quelque peu le sourire. Charlotte Gainsbourg, quant à elle, avait reçu le soutien de son compagnon depuis plus de 30 ans, Yvan Attal, qui l'avait pris dans ses bras à la fin des obsèques, un geste très rare entre eux mais très émouvant. Ses enfants, dont son aîné Ben tout juste marié, doivent également tout faire pour la réconforter, tout comme son petit frère Lulu Gainsbourg ou sa belle-mère Yvette, dont elle a fêté les 94 ans il y a quelques jours et dont elle est très proche.